Salut à tous, on se retrouve dans ce hall action, tant attendu pour beaucoup, pour certains que les 2 mois de confinement étaient longs puisque les magasins d'action la plupart étaient fermés, il y en a juste quelques-uns qui avaient commencé à réouvrir ces 2 dernières semaines. Je vais pas dire que j'attendais la réouverture avec impatience, mais c'est vrai qu'il y a des produits que j'achète tout le temps que chez eux. Notamment tout ce qui est sac poubelle à la lavande, voilà, des petites choses comme ça que j'achète vraiment chez eux et que je trouve vraiment top, voilà, certains de leurs produits. Donc aujourd'hui j'ai vu que ça avait réouvert celui qui était à côté de chez moi et je me suis dit pourquoi pas aller faire un tour. Moi voilà, j'ai mon masque, mes gants, etc. Donc j'étais plutôt bien protégée. Je suis pas sortie en plus pendant ces 2 derniers mois, du coup j'avais pas de risque d'être contaminée, c'était ma première sortie, on va dire ça. Donc ça, c'était, ouais, ça faisait du bien de sortir aussi un petit peu prendre de l'air, ça fait bizarre de retourner à cette vie qui est pas tout à fait normale quand même. Bref, donc du coup, Action, alors Action, très bien sur leur mode opératoire, du fait qu'en fait, dans le magasin, je crois qu'on était, on avait le droit de rentrer que par 10 dans le magasin. Donc genre je me suis jamais retrouvée à 2 dans un même rayon. Genre vraiment c'était comme si le magasin était vide et du coup il était hyper bien rangé le magasin. J'avais jamais vu Action rangé aussi bien. Moi j'ai pas vu particulièrement des grosses nouveautés ou des choses comme ça par rapport à avant le confinement. Mais voilà, j'avais besoin de certaines choses que je savais que je pourrais les trouver chez eux à des prix très abordables. Donc du coup, je vais vous présenter ça tout de suite. Donc, pour commencer, quelque chose de tout basique, c'est une boîte pour ranger les vis, le matériel, enfin, ou même ce qu'on veut. Enfin, voilà, c'est une petite mallette, mais moi j'en avais besoin pour ranger tout mon matériel, les vis, les boulons, etc. Parce qu'on n'avait rien et tout s'entassait. Donc voilà, il y a deux, on peut l'ouvrir sur les deux côtés, il y a 2 compartiments, un devant et un derrière. Je vous afficherai tous les prix juste en haut, ou juste en bas, je sais pas, parce que là je les ai pas en tête, mais voilà, ça c'était vraiment pas cher et j'en avais vraiment besoin, et parfait. Ensuite, du coup j'ai pris une passoire, on en avait déjà acheté une comme ça, de chez eux, chez Lidl. Chez Action, et elle était pas top, hein. Enfin, vous voyez, c'est une qui se plie, et à force de la plier, ben, en fait, le plastique s'était complètement déchiré. Sauf que j'avais pas envie de courir partout dans les magasins, que j'en avais besoin d'une, et que je me suis dit, bah tant pis, ça servira au moins quelques mois, au moins 6 mois, je pense. Voilà. Mais c'est vrai, mais je la recommande vraiment pas parce qu'elle est... elle dure pas dans le temps. Le caoutchouc se casse. Ensuite j'ai acheté donc les Coco Chips, vous savez, vous le mettez dans 10 litres d'eau, quelque chose comme ça, et ça gonfle de volume, et en fait c'est pour mettre sur mon potager en termes de, comme un paillage, pour protéger de l'humidité, pour éviter que les mauvaises herbes repoussent, etc. Donc ça, j'en ai acheté 3 paquets comme ça, donc c'était genre 80 centimes. J'ai acheté 4 boîtes. Je vais les montrer comme ça. Donc c'est 4 boîtes de 2,6 litres pour donc avec un couvercle. C'est pas hermétique, il n'y a pas de petit caoutchouc pour vraiment que ça soit hermétique, mais voilà, c'est pour ranger tous mes produits secs tels que les pâtes, le riz, les lentilles, etc. dans des boxes comme ça, que ça soit beaucoup plus facile, et j'en ai marre de tous ces paquets avec des papiers où ça se déchire ou des choses comme ça. Donc là au moins, ça sera plus propre. Du coup j'en ai pris 4 également, mais dans une taille un peu plus petite, c'est des 1,7 litres. Voilà, donc j'en ai pris 4. J'ai ensuite pris ces 4 petites tartelettes, enfin tourtes, je sais pas comment on appelle ça, des moules à tartelettes tout simplement. Donc c'était vendu par 4 et ceux-là, j'avais vu sur la chaîne de Double Lu qu'elle en avait acheté, et je trouvais ça top. Et en fait,
quand je les ai vues, j'ai directement pensé à elle, mais je me suis dit ça serait génial parce que souvent, ben, je suis la seule à manger des tartes. Mon mari n'en mange pas ou il est pas trop fan de tout ce qui est pâtisserie. Il fait attention à sa ligne. Et du coup, je me suis dit si c'est des petites tartelettes, ben, ça pourrait me permettre d'en faire moins. Et puis voilà, je trouve ça mignon aussi. J'ai ensuite pris cette bougie, donc je l'avais déjà achetée en rose. Donc c'était un autre parfum, je sais plus c'était quoi, mais c'était à la rose il me semble, mais ça sentait vraiment super bon. Et genre le parfum il est vraiment resté sur toute la durée de la bougie. Et j'ai acheté celle-ci, donc celle-ci c'est au citron. Et elle est hyper odorante. Alors citron, je suis pas forcément fan de ce type d'odeur. Mais je me suis dit que ça pourrait être vraiment frais pour là, à l'arrivée de l'été, etc. Ou même aussi pour mettre dans une salle de bain ou dans des toilettes, voilà, pour parfumer. Je trouvais que ça, elle sentait vraiment très très bon et c'est vraiment une bonne odeur, quoi. Ça sent pas vraiment chimique, quoi. C'est vraiment une très très bonne odeur. Ensuite, j'ai pris cette chose. Alors, cette chose, c'est... pour raviver le blanc ou pour détacher des taches sur du blanc. Je n'ai jamais essayé, je ne sais pas si c'est bien, mais le prix était carrément moins cher que les pots de vaniche. Alors je me suis dit pourquoi pas tenter. Ça c'est clair qu'en termes de composition ça doit pas être clean, super clean, mais je me suis dit que ça pouvait être vraiment bien quand j'ai du blanc. Parce que je sais, enfin des fois j'arrive vraiment pas à le détacher ou vraiment où j'ai envie du. Au moins que ça garde vraiment cette couleur blanche, quoi, que ça ne devienne pas gris avec le temps, etc. Donc pourquoi pas essayer, à voir, et on verra sur le long terme si c'est bien ou pas. J'ai pris une petite cape de bain pour bébé, donc j'en avais déjà pris une, que j'avais déjà présentée dans un autre haul action, qui était verte, parce qu'à ce moment-là on savait pas le sexe de bébé. Et on avait déjà envie d'acheter des choses. Et donc celle-ci est rose. Alors pas parce que c'est une fille donc c'est rose. Mais vraiment j'aime beaucoup. Le rose c'est quelque chose que j'aime beaucoup comme couleur. Même pour les garçons hein, ça me dérange pas du tout. Mais du coup je me suis dit voilà pourquoi pas. Surtout un peu ce rose poudré, vieux rose quoi. J'aime beaucoup. La taille donc 75x75 en coton basique. J'ai pris également un petit drap housse en 60x120, c'est en jersey, bah 100% coton du coup. Il y avait plusieurs coloris au choix, j'ai pris le rose parce que j'aime bien. Et moi aussi j'ai un drap housse rose pour mon lit et vu que le lit de bébé va être à côté de nous au début en cododo, bah pourquoi pas être assorti, pourquoi pas nos lits soient assortis. Voilà, et j'ai pris un grand linge comme ça en XXL 110x110, c'est en coton. Il y avait aussi plusieurs motifs, il me semble que j'en avais déjà pris un grand comme ça, pareil je crois il était peut-être blanc et vert ou un truc comme ça. Mais voilà, ça on n'en a jamais trop donc à ce qui paraît, j'ai pas encore testé mais voilà. Du coup j'en ai pris un, ça valait le coup aussi, c'est pas non plus très cher. J'ai pris un pinceau parce que j'en ai toujours besoin pour ma cuisine. J'en avais un avec des poils en plastique, mais pas là c'est du silicone, mais l'autre c'était avec des poils un peu en plastique. Et je sais pas, un jour j'ai pris le pinceau avec du beurre pour beurrer ma poêle et en fait tous les poils ont fondu. Donc du coup c'est pas du tout utilisable sur, ils sont tout agglutinés et tout ça, du coup c'est pas utilisable si je veux badigeonner je sais pas une brioche ou des choses avec de l'œuf par exemple. Donc là vraiment j'avais besoin d'un pinceau, j'en ai racheté un, j'en ai tout le temps besoin pour faire de la boulangerie ou de la pâtisserie, ça c'est top. J'ai repris de l'huile d'amande douce pour mon mari parce qu'il adore s'en mettre sur la barbe, il aime bien s'hydrater la peau avec ça donc j'en ai repris. Et pour terminer, c'est de l'alimentaire entre guillemets, j'ai pas pris grand chose parce qu'on avait déjà, pas mal de choses chez nous à manger donc j'avais pas forcément de gros besoins. Donc j'ai juste pris des cacahuètes non salées parce que ça peut toujours être bon pour grignoter. Et il aime bien en manger un peu genre à sa pause ou des choses comme ça, il aime bien grignoter des cacahuètes mon mari.
Je lui ai pris également des graines de tournesol. C'est pareil, il adore ça. Enfin, je sais pas s'il adore, mais il dit que c'est bon pour sa santé, donc il en mange. voilà, donc je le laisse dans ses délires, c'est pas un problème. Donc voilà, ça j'en ai acheté. Et j'ai acheté des amandes, tout simple, basique. Moi j'en mange de temps en temps aussi, et sinon c'est aussi pour lui, pour ses pauses, pour qu'il grignote ou des choses comme ça. Voilà, il sera très content de ça. Voilà, j'ai terminé, donc ça faisait quand même pas mal de choses. Je crois que j'ai eu un total de 45 €, bon, c'est un prix, mais c'est pas énorme non plus, parce que j'ai quand même beaucoup de choses. Je suis très contente de tout ce que j'ai trouvé, je suis pas prête de retourner quand même chez Action, parce que il y avait énormément de monde, enfin en tout cas qui faisait la queue. Et bah, je comprends, hein, c'est le premier jour et tout ça, les gens aussi ont envie d'un peu sortir et un peu de se changer les idées. Mais là j'y retournerai pas si tôt parce que j'ai à peu près tout ce qu'il me faut. Et voilà, en tout cas, bravo à tout ce personnel qui était présent et qui a mis tout le monde en sécurité. Je trouve ça vraiment top, toutes les mesures étaient vraiment prises, surtout par Action où ils mettaient en tout cas des gants à chaque personne avec du produit, du gel hydroalcoolique. Je sais pas s'ils fournissaient des masques ou pas. Enfin, moi j'ai pas vu parce que j'avais déjà mes gants, j'avais déjà mon masque, donc voilà. Mais pour ceux qui en avaient pas, tout était prévu pour. Donc ça c'est top. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je suis pas là pour vous inciter à aller chez Action, juste voilà pour vous informer que ça a réouvert, que il y a rien de plus que ce qu'il y avait avant. Mais voilà ce que j'ai pu trouver et ce qui me semble de bons produits. Je vous remercie et je vous souhaite une très 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 bonne journée. À bientôt !